Good morgen, allez, Iden, les yeux aujourd'hui le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5e Minute Éternelle. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Vav, Mishnah Aleph. Elo Menachot Nikmatsot, Veshiarehen, Akohanim. Minchat Solet, Veamachavat, Veamarechet, Veachalot, Veharekikin, Minchat Goim, Minchat Nashim, Minchat Aomer, מנחת חוטה, מנחת קנאות. רבי שמעון אומר, מנחת חוטה של כהנים נקמצת, והקומץ קרב לעצמו, והשיריים קרבים לעצמם. Traduit directement, Mishnah, vous allez vite comprendre, parce qu'on a déjà, Baruch Hashem, vu déjà toutes ces notions sous deux aspects, mais tous les mots sont déjà bien connus, toutes ces notions sont connues. Elu menachot nikmatsot ushiarehen la kohanim. Telles sont les menachot, les oblations, qui vont être nikmatsot, desquels on va prendre la kmitsa, c'est-à-dire on va soulever la pincée avec les trois doigts et que l'on va mettre au feu, tandis que veshiarehen les kohanim et que tout le reste va être consommé par les kohanim. C'est-à-dire, d'abord, dans ce chapitre, maintenant, c'est-à-dire dans la prochaine mishnayot, on va découvrir qu'il y a des mishnayot, il y a des menachot desquels on fait la kmitsa, d'autres menachot desquels on ne fait pas de kmitsa, il y aura même des menachot on ne fait pas du tout de kmitsa, et on verra dans les détails. En tout cas, pour le moment, on commence à prendre la mincha la plus classique, ou le rituel le plus classique, on va prélever la pincée, on va la faire monter sur le misbéach, et du coup, tout le reste va être consommé par les kohanim. D'accord ? Elu menachot, nikmatsot, tels sont les menachot qui sont nikmatsot, qu'on prélève la pincée, le kometz, l'échantillon. D'ailleurs, c'est bien que j'utilise le mot échantillon, étant donné que le Bar Tanoura va nous rapporter les sources de toutes les mishnah, de toutes les... pour chaque mincha qui a été évoqué dans la Torah, et dans certaines, il y aura marqué le mot azkara. Mais on va déjà d'abord les découvrir, après on expliquera. Elo menachot nikmatsot veshiaren les kohanim. Telles sont les menachot, donc les oblations qui sont nikmatsot, qu'on prélève l'échantillon, veshiaren la kohanim, et dont les restes seront consommés par les kohanim. Minchat solet, l'oblation de solet, de semoule, c'est-à-dire, maintenant on la connaît bien, c'est celle que l'on a pétrie avec donc la semoule avec l'eau et l'huile aussi qui se trouve dedans, mais que l'on ne fait pas cuire pour le moment. D'abord, on va prélever l'échantillon tel quel, et après seulement les kohanim pourront ensuite consommer ce reste comme ils le veulent, le faire cuire de la manière qu'ils veulent. Vea machavat, aussi la minchat machavat, celle qui est faite en poils fines, vea marchechet, et celle qui est faite en poils profondes, ce qu'on avait appelé la friteuse, où ça baigne, et d'ailleurs la pâte elle était plus molle, étant donné qu'elle était, d'accord, comme un sphinx marocain. Ve'achalot, et aussi les chalot et rekikin. Chalot et rekikin, on a déjà évoqué, ce sont les deux types de minchat ma'afé, la mincha que l'on a décidé d'apporter, en la faisant d'abord cuire au four. Il y a deux manières de faire les petits pains, on verra, Bezrat Hashem, exactement le procédé de chacun, mais soit l'espèce qui s'appelle chalot, soit l'espèce qui s'appelle ma'afé. Minchat goyim, ou encore même une mincha d'un goy qui la porte. Un goy peut faire des korbanot, tous les nedarim et les nedavot, olot, shlamim, et même aussi les menachot. Et donc, quand il va amener une mincha, les kohanim vont prélever un petit peu, vont prélever la pincée, la faire monter sur le misbéach, et manger eux-mêmes le reste. Minchat nashim, une mincha offerte par les femmes. Aussi. Et là, je le précise, étant donné que la Torah insiste plusieurs fois dans ses parashot, en répétant le mot ish, fréquemment, un homme. Donc en fait, la Mishnah a vu la nécessité de te dire, attention, on utilise le mot ish pour déduire autre chose, mais pas pour exclure les femmes. Donc la Mishnah voit la nécessité de préciser que même les femmes auront le même statut. Minchat haomer. Alors minchat haomer, c'est la mincha que l'on apporte lorsqu'on fait le korban du Homer, le deuxième jour de Pessah. À Dorge, il va falloir là-bas de nouveau prélever l'échantillon et le reste sera consommé par les kohanim. Minchat choté, la mincha qu'apporte celui qui a fauté. Dans les korbanot, Olev Yored, celui qui est entré au Bet Amigdash Tamé, par exemple, celui qui a juré à tort une joie de bitouille. Il y a plusieurs chaque fois qu'il y a le korban Olev Yored, dans Veikra Perekhe, je crois. Et il y a encore d'autres, même deux endroits, mais en tout cas essentiellement là-bas. Donc c'est le korban Olev Yored, où donc tu dois porter un khatat, une expiation, mais que la Torah a laissé la possibilité de le faire soit avec Kisba ou Seira, s'il est riche, s'il est pauvre, il pourra apporter même des volailles, et même s'il est pauvre, il pourra aussi apporter une oblation. Donc de nouveau, cette mincha, on prélève un chantillon, on le jette au feu, et le reste est consommé par les kohanim.
Ou minchat kenaot, c'est l'oblation de la sota. La femme qui a, que l'on soupçonne d'avoir eu fait un adultère, elle nie, donc on va la faire jurer, on va l'amener au Beth Amikdash, avant de jurer, elle va devoir apporter une mincha. Là, cette même mincha d'orge, on va prélever un petit peu, on va la faire monter sur le misbéach, et le reste de la mincha sera consommé par les kohanim. D'accord ? Le Barthénois maintenant va nous dire, nous précise dans toute cette... Tous les, il va les prendre un par un, on nous rapporte les sources. De manière générale, il y a deux solutions. Soit il y a marqué Vekamatz Misham Melokumtso, la Torah nous a dit de prélever littéralement le kometz. Le kometz, c'est la petite pincée. Soit la Torah, elle a utilisé qu'il faudra donner Azkarata l'Hachem, son souvenir à Hachem. C'est-à-dire que de chaque mincha, en fait, on l'apporte, mais on va prendre un petit représentant, ce qu'on avait appelé l'échantillon. C'est exactement ça pour le faire monter sur le Misbéach, et le reste sera consommé par les Kohanim. Avant de lire Rabbi Shimon, je vous rappelle une chose qu'on a déjà évoquée. Lorsque la Torah explicite, lorsqu'un Kohen doit apporter une mincha, alors le rituel est différent. Toute la mincha, elle est brûlée. À la différence d'un Israël qui apporte une mincha, si moi j'apporte une mincha, alors je la donne aux Kohanim, eux ils reçoivent, ils sont les Kiviachol, les délégués, les Shlichei de Rachamana, les délégués d'Hachem pour réceptionner les korbanot, ils vont faire la hagasha, ils vont la présenter sur le misbéach, après ils vont prélever un petit peu, ils vont manger eux les kohanim entre eux ce qui reste. Mais lorsqu'un kohen doit apporter sa mincha, alors le procédé il est différent. On prend toute la mincha, on la monte sur le misbéach, on la brûle. On avait expliqué le Rambam dans le Moreh Nevuchim, rapporté par le Rambam sur la Torah qui explique la raison de cette mise particulière. Le principe est, si moi je suis un premier ministre du roi, je mange à sa table. Quelqu'un il apporte à manger au roi, un cadeau au roi, un présent. Un beau plateau avec un beau poisson et des légumes et toutes sortes, un beau plat. Le roi, il va recevoir ça, il va manger un petit peu, il va me donner à manger, c'est gentil. Ça. Mais imaginez que moi, je lui apporte un cadeau. C'est pas digne que moi, je lui ai donné, et il va prendre un petit quelque chose, il va me rendre le reste. J'ai rien donné au roi, d'accord? C'est le principe qu'explique le Rambam dans le Moreh Nevuchim. Et donc, de ce fait, lorsqu'un Kohen apporte une mincha, il ne donne... Toute la mincha, elle est entièrement consumée au feu. On la prend entièrement, on la mène au feu... Sur le misbéach, on la verse là-bas pour qu'elle brûle. Pour la minchat roté du Kohen, lorsqu'un Kohen il a commis une avéra et qu'il doit porter une minchat roté, alors Tanakama, lui, c'est pas précisé dans la Mishnah, mais c'est déduit que selon Tanakama, le même principe, Kohen qui apporte une mincha, on prend, on jette tout au feu. Rabbi Shimon, lui, pense différemment. Rabbi Shimon dit minchat roté shel Kohanim nikmetset. Lorsqu'un Kohen va apporter une minchat roté, une mincha d'un fauteur, c'est-à-dire pour se faire expier une faute, alors il va falloir prélever l'échantillon. Mais attention, regardez ce qui se passe. Ve'akometz karev le'atzmo, et le kometz, l'échantillon que l'on a prélevé, il va être offert, monté sur le misbéach, indépendamment. Mais après, ve'ashiraim kerevin le'atzman, et aussi les shiraim, tous les restes, ils ne sont pas consommés par les kohanim, mais il faudra aussi les prendre et les faire monter aussi sur le misbéach. On fait monter ça en deux temps. D'abord, on fait comme la mincha du Israël, on prélève le kometz, on donne le feu. Après, il nous reste le reste, et ben on monte et on le brûle aussi. À la différence de Tanakama qui te dit tu prends tout et tu le brûles, Tanakama, Rabbi Shimon pense différemment. Le Barthénois rapporte qu'il a un pasouk, va être à la Kohen que mincha, la kishban, on apprend, et par juxtaposition, on a juxtaposé la khatat du Israël au khatat du Kohen pour te déduire qu'il devra prélever, faire le kometz. Même si après, au final, il devra tout brûler. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.